Bonjour et bienvenue dans les vidéos du Bill Bokeh, une dernière vidéo pour cette année, on reprendra certainement l'année prochaine, et une vidéo qui se veut festive, spécial repas en petit comité ou en moins petit comité, même si la précaution nous demande d'être en moins grand comité. On va commencer par Saw Clover. Saw Clover, c'est un jeu qui va se jouer jusqu'à 6 joueurs, donc on peut commencer à partir de 3. Ça correspond à une petite cellule familiale. C'est un jeu sur les mots. Chaque joueur reçoit un petit trèfle à 4 feuilles sur lequel il va disposer au hasard 4 cartes. Et sur chacune de ces cartes, vous avez 4 mots décrits. Chaque face donc, du trèfle, chaque lobe du trèfle va correspondre avec 2 mots. Et vous allez placer ces pièces complètement au hasard et essayer de trouver un mot qui va vous rappeler les 2 mots qui sont de ce côté-là. Ce n'est pas évident. Par exemple, ici, j'ai air et ballon. J'ai écrit montgolfière. Ici, j'ai nuit et bateau. J'ai écrit couchette. Fer et pendule. J'ai écrit balancier. Et fond et silence, j'ai écrit abysse. Une fois que j'ai terminé, une fois d'ailleurs que chaque joueur a terminé, on enlève les 4 cartes, on les donne à nos partenaires, puisque nous en sommes dans un jeu coopératif, et les autres, sans que j'aie le droit d'intervenir, vont devoir trouver comment les replacer. Donc montgolfière, normalement, il devrait trouver assez facilement ballon. Donc on place ballon. Et puis couchette, nuit, ça correspond aussi. Donc je suis à peu près sûr que cette carte-là serait au bon endroit. Montgolfière, on va essayer de continuer. Et Léo, je l'ai mis où celui-là? R, je pense qu'avec montgolfière, R ça fonctionne aussi. Et donc on se retrouve avec silence pour abysse. Alors après, ceux qui se souviendront de Cousteau vont se souvenir du monde du silence et peut-être faire le rapport avec les abysses. Abysse et fond, ça colle assez facilement. On peut vérifier ici que pendule, balancier, je pense qu'il n'y a pas de souci. Et couchette, j'ai le choix entre bateau, vin, orage et fer. Donc je vais peut-être choisir bateau pour couchette quand même, ce qui correspondrait à fer pour balancier. Si les joueurs y arrivent du premier coup, ils marquent 4 points, 1 point par bonne réponse, plus 2 points de bonus. Sinon, on rend le trèfle au joueur qui avait écrit les mots. Il va enlever les cartes qui ne sont pas au bon endroit, rendre le trèfle et on a une seconde chance. Par contre, évidemment, même si on arrive à trouver les 4, il n'y aura pas de bonus. Donc un petit jeu sympa, fin de repas, entre les plats, assez facile à prendre en main, n'importe qui peut jouer tout de suite. Deuxième jeu, pigeon-pigeon. Un petit jeu, donc on peut y jouer à partir de, je dirais, 4 joueurs, même si à la limite, à 2, on pourrait y jouer. C'est un jeu du dictionnaire, si vous connaissez. Le jeu du dictionnaire consiste à lire une affirmation ou une question. Sur cette affirmation ou cette question, j'ai la bonne réponse, mais je dois en inventer 2 fausses, et l'équipe d'en face devra choisir parmi les 3 laquelle elle pense être la bonne. Donc par exemple, astuce du quotidien, pour faire briller le cuir d'une chaussure, on peut utiliser 1. Un zeste d'orange, 2. Une peau de banane, 3. De la pomme. Les 3 réponses sont normalement inscrites sur la feuille ici. Et l'équipe d'en face va devoir miser l'intégralité de ses jetons, tous sur la même réponse si on pense avoir la bonne réponse, mais si elle est fausse, on perd tout, ou en répartissant son vote de manière à perdre le moins possible de jetons. La dernière équipe à qui il reste un jeton gagne la partie, donc c'est une table coupée en 2, 2 équipes et un duel. La bonne réponse, c'était une peau de banane. L'orange et la pomme, ça fonctionne peut-être pour d'autres choses, mais pas pour les chaussures. Troisième jeu, Shabadabada. Alors celui-là, on va me demander de ne pas trop en faire la démonstration parce que j'ai pas la réputation de chanter très bien. Mais de la même façon que pour Pigeon Pigeon, fin de repas ou entre les plats, on a séparé la table en 2 équipes et il va y avoir un ping-pong de connaissances musicales. On va prendre une carte. Sur cette carte sont écrits un mot en français et un mot en anglais. La première équipe doit chanter une chanson. Père, papa, en ce moment, je suis obligé de vous la faire, petit papa Noël, quand il descendra du ciel. Et comme je vais être un petit peu plus dans mes années anglo-saxonnes, d'ailleurs anglo-saxonnes, je crois qu'ils sont américains, eux, plutôt, comme On Island des Dexys Midnight Runners,
Une fois que j'ai trouvé, je donne la carte à l'équipe d'en face qui, à son tour, doit le trouver. La première équipe qui ne trouve pas une nouvelle chanson perd le point. Attention, dans ce jeu-là, vous pouvez aussi rajouter des petites cartes, par exemple Boys Band. Au moins la moitié de l'équipe doit réaliser une chorégraphie ou une gestuelle quand elle chante, claquer des doigts si possible. Si on a oublié de le faire, on recommence, hein, c'est pas éliminatoire. Mais on vous demande de le faire. Donc c'est un petit jeu très très rigolo, fin de repas aussi, festif ou moins festif, tout passe très bien. Vous avez sur chaque carte deux faces avec beaucoup de propositions différentes et une boîte pleine de cartes. Ce jeu n'est pas récent, hein, c'est un jeu assez ancien, là on est sur une réédition, mais il est toujours aussi génial. Shabadabada. Si en entendant le titre du mot, vous avez pensé Shabadabada, Shabadabada, vous avez tout compris, il n'y a même pas besoin d'expliquer les règles. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, et puis bah, que tout se passe pour le mieux, on vous souhaitera les meilleurs vœux plus tard, hein, c'est pas encore le moment. Bonne journée à vous.